Bienvenue dans un nouveau Squeak Show by Tony Parker. Et je vois qu'il y a du changement. Je sais pas ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je suis pas concerné. Moi, j'ai invité personne, déjà, mais déjà, vous invitez chez moi et je crois que laisser rentrer les gens. On regarde les clés à quelqu'un. Bonjour. C'est beau. Bonjour. Ça va? Enchanté, très bien. Enchanté, enchanté. C'est qui? On reconnaît bien la. On reconnaît bien Pau Gasol. Exactement. C'est très beau. Sauf que Gasol, il est quand même blanc, Gasol. Non, mais j'ai quand même. C'est Victor. C'est évident. C'est joli. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. T'as fait ça en combien de temps? Je l'ai fait en 5-6 heures à peu près. 5-6 heures? Ouais, ça fait un moment qu'il est là. Hein. 5-6 heures pour faire ma tête. Vas-y, on va s'asseoir, alors on va en discuter un peu. Incroyable. C'est bien fait, j'avoue. Bonjour. Pardon. Oui, bah du coup. C'est vrai que du coup, j'ai même pas dit. C'est sûr, il y a un artiste dans la pièce, c'est bon, on n'existe plus. Salut, ça va? Ça va? Très bien, merci. Oupar, tu peux nous te présenter, nous dire qui tu es, du coup, et comment tu t'es introduit par... qui es-tu, par effraction chez Tony pour faire cette œuvre. Alors moi, je suis Alexandre Montero, et en fait, je suis plus connu sous le nom de Oupar, en nom d'artiste. Et j'ai démarré le graffiti à peu près 20 ans, en 2003, à peu près. Et aujourd'hui, je suis un artiste plasticien au sens large. Et du coup, je travaille autant avec les galeries, fondations, musées, festivals graffiti. Enfin, j'ai à peu près toutes les étiquettes, ouais. Et Oupar, c'est quoi ce pseudo par rapport à Alexandre? Ça n'a rien à voir, non? Explique-nous. Ça n'a rien à voir. En fait, j'avais d'autres pseudos il y a 20 ans. Je faisais du graffiti traditionnel, donc je peignais en illégal dans la rue. Et je me suis fait attraper en 2008, à peu près. Et du coup, j'ai dû changer de pseudo. Et en fait, j'ai pris juste une recherche attends, de typo. Attends, tu t'es attrapé, c'est-à-dire ah oui, il a dit ça genre vite fait, genre... Tu es parti jamais, il est parti en jamais. Ouais, je suis passé par, entre guillemets, les clichés du graffiti, quoi. Je faisais de la peinture en illégal le soir. D'accord. Et je me suis fait attraper bêtement pour du graffiti illégal. D'accord. J'ai dû rembourser une amende et du coup... Ah ouais, c'est des grosses amendes, là? Je m'en rends pas compte, c'est pour ouais, ça. En fait, ça peut varier. Ça peut être des amendes de 500 balles à plusieurs centaines de milliers d'euros. Toi, ah ouais, quand même. Ça dépend ce que t'as abîmé. Au-delà de 50 000 euros. Ouf. Ah ouais. Au-delà de 50 000, ouais. Il était gros, le tac que tu faisais, non, ou quoi? En fait, il y a plein de facteurs. C'est juste qu'en fait, après, une fois que tu peins sur un... Tu sais, tu as des plaintes, des lieux où tu peins. Alors, excuse-moi de te couper la parole, mais je me suis toujours posé la question, parce que... Il y en a beaucoup aussi dans Lyon, là, dans le centre-ville, il y en a partout. Et des fois, c'est pas beau quand même, tu sais, par rapport à la nature. Et ils font des beaux endroits. Et moi, j'adore l'art, j'adore ce que vous faites. Mais il n'y a pas un autre moyen de s'exprimer que de le faire genre en centre-ville comme ça? En fait, entre le graffiti, ce qu'on voit aujourd'hui, ce qu'on appelle le street art, c'est deux cultures totalement différentes. D'accord. C'est pour ça que moi, je suis issu de la culture du graffiti. J'ai démarré par ça, mais aujourd'hui, je ne peux plus assumer le fait de dire que je suis un graffeur. D'accord. Parce qu'il y en a, c'est vraiment un mode de vie. Pour eux, le but, c'est de mettre leur nom partout le plus possible. Et c'est une guerre d'ego et d'orgueil de dire « je vais le mettre le plus gros, le plus haut ». Entre guillemets, c'est ça, c'est une recherche de style, etc. Ça, c'est plus un sport collectif entre crew, entre mecs, les week-ends, on va prendre en extérieur, etc. Donc, il faut que ce soit visible d'un visible, plus grand et le but, nombre, c'est que ce soit illégal. Voilà, pour eux, c'est vivre de cette peinture-là, ils ne veulent pas. C'est vraiment une culture à part entière. Donc, plus c'est illégal, mieux c'est, en fait, pour eux. Plus il y a de risques, plus c'est improbable de voir une peinture à cet endroit-là, plus on est respecté par nos pairs et par le milieu du graffiti. Le street art, aujourd'hui, qui englobe plein de choses, est totalement différent. C'est un sport individuel, c'est... On est payé, rémunéré, on est dans des fondations, musées, c'est d'autres choses, c'est d'autres sphères. D'accord. Donc aujourd'hui, pour ceux qui veulent peindre des murs, il y a plein de choses qui se font via le street art, et via le graffiti pur et dur, c'est encore plus c'est marginal, mieux c'est, quoi. Donc, d'accord. C'est deux cultures très différentes. Ouais. D'accord, mais vous entendez pas ou... Bah moi ça va parce que j'ai le grand écart entre les deux. C'est une grosse communauté. Je m'en rends pas de compte. Côté, oui, en France, il y en a combien? C'est énorme, c'est énorme. Et ça veut dire quoi énorme? C'est en millions? Non, pas en millions, mais en vraiment graffeur pur et dur, c'est plusieurs milliers, ça c'est sûr. D'accord. Et street artiste aussi finalement. Après. Et donc vous battez pour les territoires, genre eux c'est Paris, eux c'est Lyon. Oui, en street art, non, il y a pas cette guéguerre là dans le street art. C'est marrant ça. Et comment on passe d'un moment où justement on se fait attraper, on doit rembourser une amende folle à une fresque de 1000 mètres carrés à Atlanta pour le Super Bowl? Moi je pense que je suis un privilégié et je pense que je suis de la bonne génération, c'est-à-dire que je suis arrivé au niveau de,
au même moment que Facebook, Instagram, etc. Donc c'est ce qui m'a permis d'être connu à travers le monde en postant juste une photo sur les réseaux. Moi, quand je suis passé du graffiti au street art, et je commençais à faire des fresques rémunérées dans la ville de Paris, et un jour, je fais une fresque à Montmartre, et il y a une galerie qui me donne sa carte. Et j'avais jamais travaillé avec les galeries, et qui me dit, tiens, si un jour tu fais des tableaux, moi, je veux bien te faire une expo à Hong Kong. Et j'avais, je crois, 19 ans. Et du coup, je me mets après à voyager entre Hong Kong et Los Angeles pendant quasiment 5-6 ans. Et après, je postais des photos à travers les réseaux. Et de mes 19 ans jusqu'à quasiment aujourd'hui, j'ai fait le tour du monde. J'ai peint dans tous les continents du monde. J'ai fait une fresque comme celle-ci à Montgomery, en Alabama. Et cette fresque... Et là, c'est légal, on est d'accord ? Tout ça, c'est légal. Ça, c'est donc, c'est eux qui te contactent pour dire... On veut mettre un truc de... Donc, on peut appeler ça street art, ça ? Oui, complètement. Ouais. Donc, street art, et après, tu travailles. Et là, par exemple, ça t'a pris combien de temps pour faire ça ? Ça m'a pris à peu près une semaine et demie. Une semaine et demie ? Oui. Et là, comment ? Là, t'as des échelles, là ? C'est quoi, là ? Là, c'est des nacelles de 25 pieds, à peu près. Ah ouais ? C'est pas la plus grande fresque. La plus grande fresque, je pense que je viens de la terminer à Détroit la semaine dernière. Mais ça, c'est une des beaux morceaux que j'ai fait. Mais celle-ci, c'est peut-être une des plus chargées en histoire parce que c'est... Ça représente quoi, là ? En fait, c'est Valda Harris, celle qui a hébergé Martin Luther King quand elle avait 8 ans chez elle. On est les seuls à pouvoir plus pénétrer dans la maison. Et en fait, c'est plein d'images que j'ai collectées, que j'ai mis ensemble. Il y a des enfants, ceux de dos, ce sont des enfants pris en photo lors de la marche de Selma. Les enfants en bas à gauche, c'est des gens que j'ai pris en photo, des gamins que j'ai pris en photo sur place, que j'ai intégrés à la fresque. Il y a mon fils qui est à gauche, entre la petite fille qui porte le monde et le gamin de profil. Ouais. En fait, j'ai fait un peu tous les gens du monde pour le passé, le présent et le futur, pour pas qu'on oublie l'histoire, parce que le jour où j'étais en Alabama, le gouverneur a mis une nouvelle loi comme quoi on n'avait plus le droit de parler de l'histoire de la ségrégation en Alabama, à l'école. Okay. Et en fait, ça m'a mis une claque, et du coup, j'ai complètement modifié la maquette, et je suis parti sur cette maquette-là, qui n'était pas du tout celle qui était prévue au départ. Ok. Et quand on t'appelle pour faire des choses comme ça, tu... Tu es totalement libre sur le sujet que tu veux peindre ? Normalement, non. Et en fait, le problème que j'ai, j'ai un peu cette réputation-là, c'est quand on m'appelle pour une fresque, sauf pour celle-ci où j'ai essayé de respecter. Ouais, t'as pas fait pot gazole, quoi. Mais Victor est bien fait. Mais généralement, je modifie les maquettes parce que souvent, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me demande. Pour la fresque d'Atlanta, justement, le commanditaire m'avait demandé de faire une fresque avec 3 portraits de femmes européennes ou hispaniques. Et en fait, je ne connaissais pas Atlanta. Et quand je suis arrivé sur place, j'ai fait pas mal de rencontres. Et il y a un gamin qui m'a marqué. Et du coup, ce gamin est afro-américain, martiniquais. Et du coup, on a pas mal échangé. Il m'a raconté un peu l'histoire d'Atlanta. Et le quartier dans lequel que je peignais, qui était le quartier des affaires blancs. Mmh. Et du coup, il a fini au centre de la fresque. Et du coup, ça fait beaucoup de bruit parce que le commanditaire de Miami a vu un gamin black au milieu... De la fresque, alors qu'il voulait 3 visages de blanc. Et alors, il t'a pas payé. Et du coup, c'est parti. Oh, ça a été long. Tu m'étonnes. Mais aujourd'hui, il est toujours là, il est même verni, il bouge pas et il trône au milieu de downtown Atlanta. Bravo. Incroyable. Ah ouais. On va te laisser aller continuer la belle œuvre, du coup, qu'on pourra admirer toutes les semaines dans le Squeak Show by Tony Parker. Franchement, ça a vraiment de la gueule. Félicitations. Merci. Allez, moi, j'enchaîne. Je récupère ma place. J'avoue, c'est bien fait. J'avoue. C'est incroyable, hein, les détails. Ouais, les détails et tout, c'est ouf. Quand tu dis que tu commences from scratch et tu arrives à ce résultat-là en 6 heures. Là, vrai talent. Ouais. Alors là, c'est le temps de la finir en fin d'émission. On ne te met pas la pression, mais un petit peu quand même. Hein. Mais toi, en tant que joueur, t'es jamais, dans ton équipe, il n'y a jamais de mecs qui sont mis sur la truffe ? Dans notre équipe Spurs ? Spurs, ouais. Ben non. Jamais ? Bah, à l'entraînement, ça a bien dû chauffer une fois dans une. Non, mais c'est quelle franchise, ça. On n'avait pas de Stephen Brown dans notre équipe. Mais t'avais Stephen Jackson aussi. No trash talk, no fight. C'est marrant. Il n'y a pas eu une embrouille à l'entraînement, un truc qui est monté. Même Jack, il était trop bien avec nous. C'est incroyable. Si tu peut-être pas dans les autres clubs, je ne sais pas, tu vois, mais en tout cas, avec nous, il était bien. Le ton n'est jamais monté une seule fois. Ouais, c'est ouf ce que tu me racontes. Non. Mm-mm. Non, parce que déjà, moi, ma deuxième année, on était champion NBA, déjà, ma deuxième année. Et après, tu sais, quand t'as les joueurs comme Tim Duncan, David Robinson, enfin, tu sais, il y a un respect. Les gars, quand ils arrivent dans notre vestiaire, tu fais pas le malin. Mais je te parle pas avec les stars. L'entraînement, à un moment donné, de mecs, ça se met un tampon et tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais C'est jamais monté. Non, ça jouait physique. Ça jouait dur. Bruce Bowen, il s'est défoncé Manu à chaque fois. Surtout quand il venait d'arriver, Manu, tu sais, pour lui montrer. Tu sais, c'était encore à l'époque où les Américains, ils voulaient montrer, genre, c'est eux les meilleurs. Mais pas un mode genre, tu sais, tu te pousses, tu sais, et genre, tu commences une baston, non.
C'est une franchise quand même incroyable. Ouais. Et on va revenir sur Chris Paul. Comme tout le monde. Faut qu'on revienne sur Chris Paul à un moment donné. Ouais. La carrière de ce garçon, zéro bague. Multiple fall star. Il a un truc contre Chris Paul. Moi, j'adore Chris Paul. Pourquoi il rigole? Parce qu'il voit arriver. Il y a beaucoup de gens. Quand tu fais partie des meilleurs meneurs de la ligue, il y a forcément une comparaison. Tony Parker, Chris Paul. Ouais. Pour toi, Chris Paul est-il un meilleur joueur que toi? Je ne parle pas de la carrière. Est-ce que c'est un meilleur joueur que toi? La carrière, moi je sais très bien que je vais dire non. C'est ma mentalité, c'est je vais dire non. Tu l'as fourni, Chris Paul? Ben non. Quand tu l'as joué? Parce que moi, pour moi, les gens, ils pourront dire, ouais. Après, c'est les goûts et les couleurs. Ils vont dire, c'est parce qu'on était tout le temps comparés. Parce que c'était toujours nous deux, qui est le meilleur meneur de la NBA? Surtout entre 2011 et 2015, quand les Spurs, c'était ma franchise, tout ça, que j'étais le franchise player, c'était toujours ça. Et pendant 3 ans de suite, j'étais All-NBA Second Team. Et à chaque fois, ils l'ont donné à Chris Paul. Mais nous, on gagnait des titres. Et à chaque fois, on le battait en play-off. En 2012, on les a sweepés même, les Clippers. Moi, tu sais, les trucs comme ça, je me suis toujours dit, moi, j'ai la bague à la fin. J'ai les bagues même, à la fin. Donc, Non, un contre un. OK, peut-être Chris Paul, peut-être Chris Paul, il a All-NBA First Team. Mais moi, j'ai les bagues. Après, je ne vais pas rentrer dans des grands débats parce que Chris Paul, c'est un ami, on s'entend super bien. Donc, je ne vais non, pas. Non, un contre un qui gagne. Je ne vais pas rentrer dans les grands débats. Mais bien sûr que si tu me demandes qui je pense était le meilleur meneur, mais bien sûr que je vais dire que c'était moi. Bien sûr, surtout à cette période-là où on gagnait, j'étais dans le top 5 des votes d'MVP, tout ça, de la saison. Mais bien sûr que je vais dire ça. Parce que moi, quand je joue au basket, bah, je voulais être le meilleur. Mais après, j'ai beaucoup de respect pour Chris Paul, carrière incroyable. Même si, bon, en play-off... Il n'est pas allé loin à chaque fois. Son frère. Mais nous, si je parle pour moi, je préfère largement avoir des bagues de champion que All-NBA First Team. Tu as déjà fait la vanne à Chris Paul de mettre tes 4 bagues et de dire « Hey Good game !» Non, mais parce que je te dis, moi, j'ai beaucoup de respect pour Chris. Comme c'est un ami, tu vois, je suis jamais rentré dans les grosses bastons avec Chris Paul. J'avais beaucoup de respect pour lui parce que pour moi, c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire de la NBA. Donc, il y avait toujours beaucoup de respect quand je jouais contre Chris Paul. Donc, il va aller chercher une première bague du coup avec les Warriors. Je trouve que par rapport à l'œuvre de sa carrière, il mériterait de gagner une bague. Mais bon, ce n'est pas le seul. Hein. Tu pourrais dire pareil de Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing. Il y en a plein des joueurs NBA, Allen Iverson, tu sais, qui n'ont jamais gagné de titre. Et c'est vrai qu'en plus, il était tellement prêt. C'était 2021. C'est 2021 quand Milwaukee gagne, Phoenix il menait 2-0 et je pensais vraiment que c'était son année là. En plus, il jouait bien, il taffait. Mais avec Houston, ils vont sur un match 7 en finale. James Harden fait n'importe quoi, je crois qu'il loupe 20 tirs de suite. Je crois que c'était ses deux meilleures opportunités là. Le match 7 là, puis même il menait 3-2, ils auraient pu les battre Golden State cette année là. Et je pense qu'ils auraient gagné le titre, Houston, s'ils gagnaient. Et après l'année de Phoenix là où ils mènent 2-0. Il passe pas loin, quoi. Je pense. On va au billard. Ouais, t'as envie d'encore s'en prendre une encore. Aujourd'hui, ça fait 8 fois, j'ai jamais perdu. D'humeur joueuse. On reste dans le basket. J'ai un petit jeu qui s'appelle Star Bench or Cut. Je vais vous proposer 3 noms de joueurs. Il y en a un que vous allez mettre titulaire, un que vous allez mettre sur le banc, et l'autre que vous allez virer. Il va falloir justifier vos choix, évidemment. C'est faible, ça. C'est très faible. Ça. Juste troller. Les meneurs, on commence. Tony Parker. Non, je Doncic, Young et Lillard. Doncic, Young, Trae Young ou Lillard. Et Lillard. Alors, donc, un titulaire, un sur le banc. Et un qu'on dégage. Moi, j'ai déjà que je dégage, je te le dis tout de suite. moi Trae Young, je te le dis tout de suite, Trae Young, il a déjà le peignoir et le Tahiti douche pour se laver dans le vestiaire. Trae Young, il part. Tahiti douche, toi, Tété. Et il est costaud quand même, Trae Young. Hein. C'est un bon joueur hein, quand même. Ouais, mais d'accord. Lillard start et Lucas bench pour moi. Ouais, j'aime bien. Justifie, parce que Damien Lillard, je trouve qu'il est un petit peu... Je trouve qu'il défend plus déjà. La défense de Damien Lillard fait qu'il va starter. Parce que Lucas, c'est un peu Casper, fantôme, défensivement. Je préfère le rythme imposé par Lillard, puisque Lucas, il joue à deux à l'heure, il joue à son rythme, il joue en marchant. Ouais. Voilà. Moi, je suis un peu d'accord. Et puis Lillard, j'allais dire, il est clutch, mais Lucas, il est clutch aussi. Mais non, moi, je vais avec Lillard parce qu'il défend un peu plus que Lucas. Tu startes avec Lillard? Ouais, je starte avec Damien Lillard.
Je bench Luka Doncic. Pourquoi tu passes sur le banc Doncic? Juste parce que... Parce que Lillard, il défend. Et puis Luka, il parle trop aux arbitres. Ah, il est fatigué. Il me fatigue avec les arbitres. C'est insupportable. Quand tu vois jouer à l'Euro, là, la dernière Coupe du Monde, là, c'est insupportable comment il parle tout le temps aux arbitres. Moi, j'aime pas, moi, en fait, cette mentalité-là. Et nous, avec les Spurs, on se disait toujours... On parle pas aux arbitres. Ouais. De toute façon, tu peux pas contrôler ça. Contrôle ce que tu peux contrôler. Et c'est bon, les arbitres. Et Lucas, ça devient insupportable à un point que ça pénalise son équipe. Ça le dessert. Parce que c'est normal, les arbitres, ils sont humains. Ils vont pas te donner tous les coups de sifflet. C'est pas possible. Ils risquent même d'être et comme Lucas, il a tout le temps la balle. Il a la balle à chaque attaque. Ils vont pas siffler faute à chaque attaque. C'est impossible. Toi, t'étais un peu au tout début de ta carrière, quand tu revenais avec l'équipe de France, t'étais un peu Luka Doncic. Parce que tu prenais des murs, t'as drivé et tu réclamais beaucoup de fautes et après t'as changé. Et après j'ai changé, j'ai lâché l'affaire en fait. Et après tu faisais un peu les petites comme ça aux arbitres. De toute façon, ça aide pas. Mais c'est vrai que mes 2-3 premières saisons, comme j'étais champion NBA et je revenais en équipe de France, je me disais, mais les gars, ils me respectent pas en fait. Les arbitres, c'était abusé, je me faisais défoncer. Mais en fait, ils respectaient pas le basket français tout court, en fait. Et quand j'ai compris ça, j'ai lâché l'affaire. J'ai dit, tu sais quoi, de toute façon, ils vont rien nous donner. La France, ça fait 50 ans qu'on n'a pas une médaille. De toute façon, on va aller chercher à la dure. Et donc après, mais franchement, quand j'ai arrêté de faire ça, c'était beaucoup mieux, en fait. Et j'avais beaucoup plus de coups de sifflet. Tu sais qui c'est sympa ce que tu vas faire. Ce que j'ai fait. C'est qui c'est à l'Asvel qui est un peu comme Luka Doncic? Nando. Je trouve que Nando passe perd. Trop d'influx avec les arbitres. Tu trouves? Ah ouais. Bon, c'est pas Luka Doncic. Je dis pas que c'est pas Luka Doncic. Petite passe décisive, les arrières, du coup. Vas-y. Parce que je suis solide au billard. J'ose même pas l'interrompre, le mec. Ah, il est chaud, j'avoue. Non, mais il est chaud. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors, Shai, Brown et Booker. Jalen Brown, David Booker, Gilgeous Alexander. Oh, là, c'est pas cadeau. Ça. Brown de Boston. Jalen. Ouais. Booker et Shai. Ouf. Bon, de toute façon, les trois sont très bons. Après, c'est qu'une question de préférence. Tu vois. Justement, c'est ce qu'on te demande, Tony. Moi, je vais avec Shai en titulaire parce qu'il défend. Et Booker en backup. Et je sors Brown. Parce qu'il t'aime pas, Stephen. T'aimes pas les Browns? Écoute... T'es bien embêté. Non, je vais faire Devin Booker starter. Je vais faire Shai sur le bench et je vais envoyer Jalen Brown prendre la douche aussi avec Trae Young. Vous pourrez pour en discuter. Pour rediscuter toujours tous les deux. Pourquoi? Parce que les deux, parce que t'as deux mecs qui sont pour moi les go-to guys de leur équipe, Devin Booker et Shai, et que Jalen Brown, malgré tout, est derrière Jason Tatum. Voilà, tout simplement. Tony, valide ou pas? Ah, mais moi, pour moi, Shai, il défend, donc pour moi, il start. Et puis, un mec qui a mis 30 pions à la France avec Audio, on y mérite de starter. Ah, mais t'as mis Booker en starter, toi. Ah oui, moi, j'ai mis Booker aussi. Ouais, t'as mis Booker en starter. D-Book. On enchaîne avec Ellier. Attends, je te laisse non, y aller. Non, vas-y. De toute façon, alors, Tatum, LeBron et Butler. Tu sais qui, le deuxième? LeBron James. Ah, LeBron James. LeBron James. Jimmy Butler et Jason Tatum. Et Tatum. Butler. Oh, c'est chaud, les trois, là. Les trois, déjà, ils méritent de starter, déjà. Déjà. Les trois méritent de starter. Vous n'avez pas mis que des gens non plus. Oh, magnifique. Alors, les trois méritent de starter. Déjà, je préfère commencer avec cette phrase. Les trois méritent de starter. Moi, je vais avec Jason Tatum, starter. Ouais, bravo, c'est joli, ça. Jason Tatum. Parce que c'est une longue saison, il ne se blesse pas. Je vais pour le sur le long terme. Jason Tatum, je mets LeBron James en backup et Jimmy Butler, je le sors. Alors, Stephen, il rigole, mais... Je suis à deux doigts de te dire que LeBron James mérite de rejoindre Jalen Brown et... Il va falloir beaucoup de Tahiti douche. Non, j'ai trop de respect pour LeBron à la douche. Ouais, non. Mais ça t'a traversé l'esprit quand même. Bien sûr que ça m'a traversé l'esprit, bien sûr. Mais je vais faire exactement comme Tony. Jason Tatum starter. 21 saisons, il a eu le temps de starter. LeBron sur le banc et vestiaire Jimmy B. Parce que Jimmy B. Alors Jimmy.
Jimmy, lui, en fait, moi, je le fais revenir juste pour les playoffs. Ouais, voilà, exactement. Mais c'est pas ça, le jeu. Exactement, grave. Il manque quoi à Butler pour starter ou être... Mais non, mais il manque rien du tout. C'est un super joueur. C'est juste qu'il faut qu'on choisisse. Mais il est incroyable comme joueur, Butler. Ailier fort, Anthony Davis, Giannis et Durant. Et qui? Durant. Ah, Durant. Durant, ah mais gars, okay, Durant. Ma fermier avec son accent. Bon, Durant. Allez, Durant. On reste en France, merci. Alors, c'est Leslie Bratwell. Durant. Davis. Anthony Davis, c'est qui? Giannis. Ah, Giannis. Giannis, il start. Kevin Durant en backup. Et Davis, il va sur le banc pour moi. Moi, Davis, je l'envoie à la douche parce qu'il est souvent blessé, donc il faut qu'il se soigne. Exactement. Et qu'il se repose. Exactement. Giannis starter aussi et KD. Ah, vous êtes d'accord. Bah, on est d'accord. On est d'accord. Ah, t'as marqué. D'accord sur celle-là. T'es un gars comme Michel. Mais KD, Giannis, ouais. Ouais. Pourquoi vous mettez pas Durant titulaire? Parce que je trouve que c'est plus son équipe. Je trouve que c'est l'équipe de Devin Booker cette année à Phoenix. Voilà. Moi, c'est pas pour ça, moi. Moi, c'est pourquoi? Parce que Giannis, il défend. Giannis, il joue de côté. Defense. Oui, mais Giannis, c'est un meilleur défenseur. C'est pour ça. Juste ça. Mais tu préfères pas un mec qui mette des pantons? Giannis, il met 30 points par match. Ah, mais sans tes jeux. Il met 30 points par match. Ah, mais si t'as le ballon de la gagne. Ouais. Tu le donnes à KD ou tu le donnes à Giannis? Je le donne à KD. Ah, mais c'est pas ça la question. C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. On refera un jeu. Si machin à non, la balle. Non, mais parce que si le gars, il veut changer les règles. Ouais, non, mais c'est ça. Stephen, tu lui donnes ça et prends ça. Allez, les pivots pour terminer. Gobert, Towns ou Adebayo? T'es un salaud, pourquoi tu me regardes comme ça? Tu veux que je commence? Non, je suppose pas. Pas du tout. On va falloir expliquer ses rires. Gobert, Towns, là, t'as deux mecs de la même équipe déjà. Gobert, Towns, on va dire, c'est deux mecs de la même équipe. Ouais. C'est bizarre ton truc. Oh, et ça, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on veut ça, avec ça, les règles? Ah, toi aussi, tu veux changer les règles? Qui a fait ça? On aurait pu mettre Jokic, Embiid et... Voilà, fais-moi un truc bien, tu vois. Je sais, ils veulent nous emmener. Ils veulent qu'on dise que Rudy Gobert doit aller prendre la douche avec les autres. Mais bien sûr, pour que ça fasse... Ça passe les trucs. Tony Parker dit Rudy Gobert doit être au vestiaire. Non, mais ça a été bien travaillé ton truc. T'as bien travaillé ton. Non, mais. Bien travaillé. Non, mais on ne vous oblige à rien, allez-y, hein, messieurs. Bien sûr. Gobert, Towns, et qui? Adebayo. Moi, je vais avec Adebayo. Adebayo en starter. Gobert en remplaçant. Et je mets à la douche Towns. Ah ouais? Ah, vas-y, hein. Tu veux pas te fâcher, c'est pour ça? Non, pas du tout. Je suis pas très fan. Après, il y avait le meilleur Big Man. Towns, ah, même pas Carl Anthony Towns. Pas trop large. Gobert, il défend, il va faire le sale boulot. Parce qu'on parle d'une équipe, là. Il faut un starter. Oui, oui, et voilà, oui. C'est plus complémentaire. Et Adebayo, j'aime bien. C'est sûr que je prends Bam starter tous les jours. Bam Adebayo. Yeah. Et après, j'ai envie de dire que Rudy ou Carl Anthony Towns, peu importe qui est sur le banc, il rentrera pas. Bon. Il rechange les règles encore. Là, il ne veut pas assumer sur qui il met. Vu que j'ai jamais été un défenseur hors pair, j'étais même honteux défensivement. Je vais prendre Carl Anthony Towns sur le banc. Non. Désolé, Rudy. Tu mets Rudy au vestiaire. Ah ouais, parce que moi j'ai envie des mecs qui mettent des points. Ah. T'as envie de mecs qui mettent des points, mais depuis tout à l'heure, t'en mets pas. T'as vraiment cru. C'est pas mal. J'étais online. Et donc après, il y en a un autre. Bah, Adebayo. Attends, t'as dit Adebayo. Ah oui, il a dit Towns en remplaçant et Gobert, il le met sur le banc. Oh là là okay. Non, mais t'es on fire, là. Attendez, on va pas... Si tu dois construire une équipe, ouais. T'as besoin d'un big man. Oui. T'as le budget, t'as tout ce qu'il faut. Oui. Tu prends Joel Embiid ou tu prends Nikola Jokic? Jokic. Tous les jours, sans aucune hésitation. Il n'y a pas un moment donné, tu te poses derrière ton bureau et tu réfléchis un peu. Jokic, Embiid et Adebayo, vous prenez qui? Jokic. Jokic. Change les règles. Jokic, ouais. Toi, tu prends Embiid? C'est parce que si tu me poses cette question-là, c'est que tu prends Embiid. Moi, je pense que je prends Joel. Ah ouais? Pourquoi? Pourquoi? Parce que défensivement, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux. Je pense que Joel est un bien meilleur défenseur que Nikola Jokic. Je perds peut-être en qualité de passe, avec Nikola Jokic qui est hors norme. Mais sur du jeu post-up, j'ai l'impression que Joel, au niveau des fondamentaux post-up, il n'est pas loin d'être meilleur de haut panier que Nikola Jokic. Et j'ai envie d'un mec quand même qui soit capable de jouer des deux côtés du terrain. Je crois que Joel est un peu au-dessus, au niveau overall, tu vois, au niveau globalité du jeu, je pense que... Donc après... tu penses que si tu mets Embiid à Denver, il gagne le titre, quoi? C'est possible. Non, pas sûr. Parce que... Je t'as raison, mais t'as raison, c'est une belle question.
Parce que je pense que Jokic arrive à faire briller des Aaron Gordon et des Porter Jr. C'est ce que je t'ai dit. Je pense que Jokic est un meilleur joueur. Et je pense pas que si tu mets Embiid, il gagne à Denver. Et si tu mets Joel Embiid avec l'équipe de France, tu penses qu'on est champion olympique ou pas? Non, mais ça sert à rien de parler des questions. Hein. Ces questions-là, ça sert à rien, je pense. Mais j'aimerais bien t'entendre quand même. Tu vas pas t'en sortir comme ça, Tony. Oh, ah, voilà. Ah là là, perturbé. La coquinette. Perturbé. La coquinette. Ça va être de ma faute. Oh là là. Ça va être de ma faute. Je crois qu'on peut arrêter, non? Ouais, on peut arrêter. On peut retourner dans le salon. On va continuer à jouer au salon. On en est où, alors? Qu'est-ce que ça donne On met un peu de bleu. C'est quasiment... Pourquoi le bleu? En fait, c'est une nouvelle pièce que je travaille en ce moment. Je travaille une partie crayonnée, une partie terminée à l'huile. Terminée à l'huile? Ouais. Et donc là, t'as utilisé quoi comme matière, là? Là, c'est quasiment que de la peinture à l'huile. D'accord. En fait, c'est ce que j'utilise sur mes tableaux habituellement. Donc, c'est comme ça, si on veut repartir avec le panneau, on a quasiment une œuvre d'art unique. Donc là, c'est encore assez fraîche encore. Ouais, ça va mettre un petit peu de temps à sécher, mais je trouve que c'est ce qui a le meilleur rendu peinture, parce que sinon, après, je trouve ça trop plat et trop... Enfin, pas assez de profondeur par rapport à la peinture, Lisa. D'accord. Bon, t'as le temps de finir, on a encore un petit jeu à faire, nous, 10 minutes, là. Tu vas te régaler, Tony. Allez. On est encore sur le petit jeu, là. Ah, j'adore. On a encore des jeux, je sais que vous adorez ça. J'adore. Et là, en plus, c'est un jeu... Vous connaissez le Burger Quiz, bien sûr. Yes. Bien sûr. Eh ben, on va faire ça sous un peu le thème Burger Quiz. C'est-à-dire, il y a 3 manches. On va commencer doucement. Un point par question qui, normalement, sont assez simples. Ça s'appelle la saison régulière. Ensuite, il y aura les play-offs. 3 points par bonne réponse. Laissez, elle est trop excitée. Moi, j'ai les réponses. Elle est contente parce qu'elle n'a pas besoin de jouer. Tu vois. ouais, sinon, je serais complètement dans la masse si je devais jouer. Et puis, le buzzer beater, c'est un petit peu comme la fin du Burger Quiz où je vais vous poser 10 questions. Il faudra se souvenir des 10 réponses et essayer de me les ressortir dans l'ordre. Oh, ah ouais. Et bien sûr, pour vous départager, on a les 2 premières manches pour savoir qui ira en finale et tentera le buzzer. Vous êtes prêts? Vous avez tout compris? Il y a une voiture à gagner, comme dans le Burger Quiz. Je sais pas si Squid, ils ont mis ça dans le budget. C'est une voiture, quand même. Doit participer, convertir rien. Non, gagne direct. Non, je veux la voiture. Allez, la première manche, donc, normalement, c'est... On vous teste, hein, mais... Okay. C'est une rapidité ou c'est... Non, du tout. Okay. Question l'un après l'autre. D'abord, je commence par Tony. Qui remporte le Rookie of the Year lors de ta première année en NBA, saison 2001-2002? Pau Gasol. Un point pour Tony. Ah, tu savais pas? Pourquoi ça te fait rire? Ah, ok. Ah, tu rigolais. Ce que tu... Oui. Ah ouais, non. Mais t'es dans la merde alors si tu sais pas des trucs comme ça. Après, je suis pas sûr qu'elle me demande qui était Rookie de l'année de ma draft, parce que j'ai pas été drafté. Donc qui je était pas... Rookie question. Non, Stephen. Oui. On le sait, les Boston Celtics et Los Angeles Lakers se partagent le record de titres NBA avec 17 titres. Qui est la 3e franchise la plus titrée en NBA? La 3e franchise la plus titrée oui. en NBA est... Il va vite être plié, ce jeu, et, en ouais, fait. Et il a le droit de faire combien de temps? Il y a un chrono ou pas? Tu sais où? Bah, attends. Les chronos? Je veux dire les Bulls. Non, les Warriors. Les Warriors. Fuck. Combien de titres? 7. Ouais. Un de plus que les Bulls. Ah ouais, 7. Je suis un idiot, ils en ont gagné un. Oh là 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 là, le fail. Ah, je pensais que donc, tu savais ça. Tony mène 1. Et moi, j'aurais pu répondre pour avoir un point de plus? Non, non, j'ai pas. Ouais. Okay. Non, mais c'est juste pas pour de savoir. Pas non plus. Tony. Non, mais parce que louper une question comme ça, c'est les points faciles pour moi. Tu vois, c'est pour ça que je voulais savoir. Un autre point facile qui arrive. All-Star Game 2015. Quelle équipe est... All-Star Game 2015. Quelle équipe est la plus représentée et avec combien de joueurs? C'est quoi ces questions? On remercie. All-Star Game 2015, quelle équipe? All-Star Game. Bon, allez, Golden State. Et non. Non. Pas les Hawks? Ouais. 5 joueurs, je crois. Hawks, ils finissent premier de conf en saison régulière. Les Hawks, c'est qui? Alor Ford, Joe Johnson? Non. Non. Et... Mike, le shooter blanc, là. Ah, Cal Corver? Cal Corver. Cal Corver, Jeff Teague, Orford, Jeff Teague. Teague et. Le quatrième, c'est. Ah, Josh Smith? Non. Donne-moi sur les initiales. Hein? Les initiales. Non, les initiales. Je ne t'entends pas. Dis le nom. Initiales. Dis le nom. Non, je ne l'ai pas. PM. Paul Millsap. Ben oui, mais si tu as dit les initiales, c'est trop facile. Et de toute façon, le point est perdu. Autant dire le nom. Ça sert à rien. Allez. Mais c'est quoi cette question? C'est dur. Ça va. Allez, vous plaindre à celui qui a. Vous êtes censé être spécialiste. C'est dur, toi? C'est pas moi qui ai préparé les questions. C'est dur, mais je la connaissais. Vas-y.
La dernière pour toi, pour tenter de recoller, parce qu'il y a toujours 1-0. 1-0. Bravo, excellent niveau. Elle est facile, normalement. Quelle est l'affiche de la finale 99-2000? Je sens le vide dans ton regard, Steve. C'est tellement facile. Pourquoi j'ai pas ces questions-là, moi? 99-2000? Bah oui. Ce sont les Spurs de San Antonio. Non, c'est bon, t'as perdu. C'est les Lakers Indiana. Putain, mais pourquoi ils vous donnez des questions? Oh là 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 là, ça m'énerve, ça. C'est pas grave, t'es toujours devant. Je mérite un point, franchement. On devrait pouvoir marquer sur l'autre. Un point pour toi et zéro pour Steven. Les Lakers Indiana, 99-2000. Dans cette première manche, on passe au play-off. Les Spurs, c'est 98-99. Donc l'année qui est en deuxième, c'est l'année où tu es champion. Donc c'est 90. Donc là, 99-2000, c'est Lakers. Premier titre du three-peat. Lakers-Indiana. On en reparlerait après, mais il est après, fini. C'était Lakers-Philadelphie. Après, c'était Lakers-New Jersey. Mais je peux te donner toutes les finales. Oui. Mais moi, j'ai une question. Combien de joueurs il y a dans le All-Star Game? Super. On aura le temps d'en reparler. Les playoffs, donc, c'était un ping-pong. On en fera un vrai, d'ailleurs, un jour, pour vraiment tester le niveau de chacun. Ouais. On verra s'il est aussi fort que sur les questions NBA. Ah. Je vais vous demander le plus de quelque chose, de citer un maximum de choses. Et c'est le premier qui n'arrive plus à m'en citer un, qui perd, évidemment. C'est trois points par bonne réponse. Trois points, là? Eh ouais, bah oui. Bah, on monte en gamme, c'est les playoffs, Tony. Il y a 2-0. Il y a 2-0. Il y a 1-0. On va citer... Vous allez citer le plus de coachs qui ont été élus coach de l'année depuis la création du trophée. Chacun notre tour. Chacun votre tour. Qui commence? Coach of the year. Allez, Greg Popovich. C'est bon, c'est validé. Steve Kerr. C'est validé. Phil Jackson. Phil Jackson, c'est validé? Oui, c'est validé. Bon, sérieux, toi? 95-96. Doc Rivers. Ouais. 99-2000. Mike Brown. Oui. 2008-2009. Mike Budenholzer. Oui. 2018-2019. Don Nelson. Don Nelson. C'est bon. Il va être long, ce jeu. Il va être très long. Je vais tenter Rick Carlisle. Oui. 2001-2002. Ah oui, Rick Carlisle. Avec les Pistons. J'en ai plus en stock, hein. Si tu commences à être un struggle. Ruby Brown. Oh, ouais, à l'ancienne. J'ai l'impression qu'il n'y est pas. Si, si. Si, si, si. 2003-2004. Ah ouais, mais c'est loin. Regarde, faut que je tourne. Ouh là là. Je vais enchaîner très vite avec... 77. Alors, il y a une anomalie dans ce truc, c'est que Rick Spoelstra n'a jamais été coach de l'année. T'as vu? Je t'empêche de faire une bêtise. Aussi. Je vais dire Pat Riley. Je n'allais pas le dire. Tu m'as dit quoi? Pat Riley. Oui, l'ami Pat, Patoche. Patoche. Attention, Tony. Patoche Riley. Lenny Wilkins. Ah, c'était celui que j'avais, j'ai la haine. Lenny Wilkins. Oui, c'est bon. Ah, le salopio, il m'a carotté. 93-94. Ah, je vais tenter, il n'a pas été coach jeune. Et vous n'avez pas fait les récents? Les récents, voici. Nick Nurse. Ouais, 2019-2020. Joli. Chuck Daly. Chuck can't see him. Non, c'est vrai. Chuck Daly avec les Detroit Pistons, il n'a jamais été coach de l'année. Pas l'impression. Ah, c'est dommage, Tony. Bon, je vais prendre 3 puntos. Ah, Chuck Daly, putain. Ok, bon bah. Il y avait Red Auerbach. Ouais, Red Auerbach. Ouais. On va citer le plus de joueurs français qui ont déjà joué en NBA. I like that. Tony Parker. Greg Popovich, Tony Parker. Il y a toujours qui se sauce. Bah on va aller vite. Joachim Noah. Non, je vérifie quand même. Tony Parker, c'est bon. Joachim Noah. Boris Diaw. Nicolas Batum. Ronny Turiaf. Evan Fournier. Rudy Gobert. Joan Petro. Michael Gilabal. Yann Maimi. Yacouba Diawara. Yacouba Diawara, c'est pas mal. Hein. Kylian Hayes. Rodrigue Bobois. Ousmane Dieng. Ah, Ousmane Dieng, pas mal. Il a joué un match, Ousmane Dieng. Oui, il a fait les dernières. Oui, non, mais il a joué un match. Oui, t'inquiète pas. Il n'était pas encore en G-League. Non. Merde, j'ai oublié ce que t'as dit en plus. Jérôme Moïseau. Jérôme Moïseau, c'est très bien. Tariq Abdelouad. Pas mal. Ah, je t'ai aidé en plus en disant Moïseau. Est-ce que t'allais pas dire ça au début? C'est vrai. Alexis Aginsa. C'est bien. Elio Kobo. Ah ouais, c'est vrai, il a joué. Ouais.
10 secondes. Ouais, là, c'est chaud. Là. Théo Malédon. Ah, Timothée Léo Camaro. Ah ouais, c'est vrai. Je crois qu'il joue chez toi. Mike Pietrus. Oui, tu l'as quand même oublié. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que j'ai dit Mike Pietrus quand même. Mike Pietrus, c'est pas mal. Gershon Yabusele. Ouais. Vincent Poirier. Aïe, 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 aïe. Rodrigue, t'as dit Rodrigue Beaubois ? Bah oui. T'as dit Rodrigue Beaubois ? Ça commence à être dur. Non. 10 secondes. William Howard. Mais non, il a... mais non, il a fait un match. Oui, si, oui, oui. Si. C'est complètement validé. William, il est là. Non, c'est vrai, en plus, je rigole. J'ai joué un match. En plus, j'en ai en stock. C'est incroyable, Steph. Là, t'en as encore oui. Ah, je commence à être limité, là. Franck Ntilikina. Bravo. Franck Ntilikina, bravo. Olivier Sarr. Pas mal. Oui, pas mal. Il a dû jouer un match, mais... Mais non, il est là. Il a joué quelques-uns l'année dernière avec OKC. Ça passe, c'était la règle. Ça passe. Ça passe. Non, il reste combien de joueurs ? Allez, 10. Il reste combien de joueurs ? Je vous avoue, vous êtes allé tellement vite sur le départ, j'ai pas tout. T'as pas tout ? Mais il y en a bien une bonne dizaine qui reste. Il en reste 10 encore ? Il y en avait 43. Oh là, j'en ai un qui va me parvenir exceptionnel. Il est content. Comment il est content. Regarde. Attention, Tony, c'est chaud. Geoffrey Lauvergne. Bravo. Belle. Antoine Rigaudeau. Pas mal. Franchement, ah, j'avais oublié Antoine en 2003. J'avais joué contre lui à Dallas. Il était à Dallas. Ah ouais. Donc là, il en reste 8. Oh, on arrive à la fin, là. Par contre, j'en ai plus. Moi aussi, tu t'en trouves un. T'es pas loin d'avoir gagné. 5. Attends. Qui a 2. 1. Allez, une réponse. Bah attends, t'as rien dit non plus, il faut que tu te dises quelque chose pour gagner. Ah bah, quelque chose à gagner. DJ Parker. C'est ça le jeu. DJ Parker. Il faut dire il faut dire non pour gagner. De toute façon, même si tu donnes un non, t'as déjà 3-1, donc il t'en restait un ou pas ? Mec, on l'a pas dit. Non, la suite. Ça va m'énerver. Non, la suite. Jalen Howard. Oh, Jalen Ord. Jalen Ord. Il me semble qu'il a joué à Portland. Oui, oui, oui. Il a fait un match à Portland ? Ouais. Je le vois pas, moi, lui. Oui, oui, il est là, oui. Putain, incroyable. Stephen. Et il y avait qui d'autre après ? Fais voir, dis-moi. Pas mal, celui-là. Il a dû Miami, on l'a dit. Il y a de Miami, tu l'as dit, ouais. Il a dû jouer un ou deux matchs. Séraphin. Kevin Séraphin, on est idiot. Ah ouais. Axel Toups. Axel Toups. Champion avec les Bucks, en plus. On est où avec les Bucks ? Ouais. C'est coup de Mouya. Ah, c'est cool. Ouais. On aurait pu aller plus loin. Et après, ça fait 3. Damien Inglis. Ah oui, Damien Inglis. Mais il n'a pas joué beaucoup de matchs. Mais ouais. En fait, c'est ça. Là, dans Peter Cornelly, il a joué des matchs à Denver, je crois. Il a joué les matchs ? Ouais, un ou deux. Ah ouais. Ouais, mais là, on parle de joueurs aussi. Un ou deux matchs. Ouais. Papsi. Papsi, à l'époque, drafté par Atlanta. Atlanta, ouais. Allez, félicitations, Stéphane. Du coup, c'est pour et toi. Pas mal, quand même, hein. Il n'en restait plus que 5. Donc, c'est pas mal quand même. On a fait une belle perf. Une belle perf. C'est pas mal. Allez, du coup, la finale. La finale. Burger de la mort. Allez, Burger de la mort, c'est parti. On reste concentré. Donc, tu te rappelles bien des 10 réponses et puis tu essaies de me les ressortir. Je peux demander de l'aide à Tony à un moment donné. Comment ? J'ai droit à un joker une fois, avec Tipeee, sur une question. Non, mais on ne va pas réinventer les règles à chaque fois. OK. C'est bon, on a une émission à Allez. Tenir, une conduite. Voilà, il faut être un petit peu sérieux. De conduite. Concentre-toi parce que c'est violent. Concentré. Allez. Cite un titre de l'album de Tony Parker. C'est bon, là, je suis allé à l'école, donc je vais pouvoir retenir un truc, je vais quand même y arriver. Quel joueur est le logo de la NBA ? À choisir, tu préfères passer un dîner entier avec Novak Djokovic t'expliquant pourquoi c'est lui le GOAT ? Ou avec Kevin Garnett, qui t'explique pourquoi il est meilleur question, que Dirk Nowitzki. Hein ? Il a été perturbé, t'as vu ? Avec Garnett, qui t'explique qu'il est meilleur que Dirk, ou avec Djokovic, qui t'explique... Ah ouais, ça change ta réponse, je suis sûre. C'est bon pour toi ? Ouais. Djoko ou Garnett ? Quelles sont les couleurs des Spurs ? C'est bon. Est-ce que tu penses... que Rodrigue Beaubois, qu'on embrasse,
ferait un bon bûcheron. Incroyable. C'est quoi cette question? Ça aurait okay. pu complètement une question écrite après. Par Stephen. Shaquille O'Neal est meilleur DJ ou sur la ligne des lancers? Ok. Ah, ça devient chaud, ça devient chaud. Concentre-toi, concentre-toi. Russell Westbrook, 94e au ranking NBA cette saison. C'est abusé ou c'est réaliste? Oh putain. Tony, t'en es où toi là? Non, moi. Comme je joue pas, franchement. Wemby, est-ce que tu penses qu'il mettra plus de 20 points en moyenne cette saison? Oui ou non? Au fait, Yanis, il a combien de titres de MVP de saison régulière? Et dernière. Enfin, si tu avais pu aller en NBA, dans quelle franchise tu aurais aimé jouer? C'est parti quand tu veux pour les réponses. Mon premier love. Jerry West. Là, c'est choix par défaut. Kevin Garnett. Couleur des Spurs, c'est noir et argent, gris. Noir et blanc, ouais. Rodrigue Beauboire aurait pu faire un bon boucheron, je pense que oui. Je préfère Shaquille O'Neal, ce DJ, plutôt que sur la ligne des lancers francs. Allez, 6. Russell Westbrook, c'est abusé. 7. Victor Wembanyama, 20 points de moyenne. Je vais dire non, juste en dessous. La 9e question. La 9e question. Finestier presque. La 9e question. Non. Moi, je l'ai, moi. La 9e. Je sais que la dernière, c'est que si j'avais joué à NBA, je franchis je sais pas quoi. Voilà, et 9e. Celle d'avant, c'est. Ah, tu es presque. Celle d'avant, c'est. Ah, c'est dur d'échouer comme ça. En finale de. Tu es là. Non, je dis pas. Yanis. Elle m'a zappé. Yanis. Yanis, il a deux titres de MVP. Et la dernière, c'était quoi? Quelle franchise aurait voulu si j'avais été? Les Mavs. Ouais, j'ai craqué sur la 9e. Aïe, 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 aïe. C'est dommage, mais c'est déjà bien. C'est beau. Franchement, c'est beau, c'est pas facile. C'est pas facile comme exercice. Très dur. Et franchement, bien joué quand même. Merci, merci Leslie. Franchement, super bien joué, franchement. T'aurais fait mieux? T'aurais fait mieux, évidemment. Franchement, pas sûr. Oh. Franchement, pas sûr. Pas sûr qu'il se rappelle déjà d'une chanson du titre de son album, donc il aurait peut-être échoué. Bon, il en est où, notre ami? Oh, waouh. Je pense que j'ai quasiment terminé. Magnifique. Ah, c'est pas mal, hein. Il y a un truc, hein. Tu préfères rester à distance pour regarder les... Je veux pas être trop près, tu vois. Je me suis assez vue dans un miroir. Ouais, super, petite dédicace et tout en bas. Donc, ça écrit, ok, Squeak, Popar. Popar Parker. Popar, tu l'écris avec un H? Ouais, c'est H-O-P-A-R. D'accord. Bah, franchement, respect, hein, c'est hyper beau. Franchement, c'est magnifique. Cool, merci. Super, merci. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Les amis, merci beaucoup. Merci. Merci, Leslie. J'aime bien tes jeux. Tu peux en faire quand tu veux. J'adore. Ouais. Et sois un petit peu plus performant si c'est possible. Je peux me permettre. Waouh, la pression, bah attends, un moment donné, faut que Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Squeak Show by Tony Parker, tous les vendredis à 18h.